Non, non, vous ne rêvez pas. Cet enfant n'a que 11 ans et pourtant, il joue avec des adultes. Eric Godpower Marshall est le plus jeune joueur à évoluer en match officiel avec des seniors. Et voici son histoire. Les adversaires ont été méchants avec moi. Ils me menaçaient. L'un d'entre eux a dit qu'il allait me frapper et que j'allais finir à l'hôpital. Mais pourquoi des adultes ont-ils tenu des propos si honteux envers cet enfant venu du Liberia ? Par jalousie, sans aucun doute. Eric Godpower Marshall, 11 ans, est le plus jeune joueur de l'histoire du football à jouer un match officiel avec des adultes. Il a déjà joué 4 fois avec l'équipe senior du football club Garou, qui joue en 4ème division au Liberia. Ici, on le voit lors d'un match de championnat face au Haifa FC, où il a joué 80 minutes. Le jeune Eric a un talent monstrueux. Conduite de balle propre, superbe vision du jeu. Mais Eric est simplement heureux quand il a un ballon dans les pieds. J'aime jouer avec mes amis, ils ne veulent pas me blesser, contrairement aux pros de la Ligue Nationale. Pour ses premiers matchs avec les grands, Eric a cherché la simplicité. J'ai cherché à jouer simple parce que les adversaires étaient plus âgés que moi. Quand j'entendais leurs pieds, j'avais l'impression qu'une armée me chargeait, comme si j'affrontais Goliath. C'est une histoire magique, mais surtout inquiétante. Magique parce que ce petit milieu technique est entré dans l'histoire du football. Il a battu le record de précocité de Mauricio Valdivieso, qui était le plus jeune joueur à avoir joué un match officiel jusque-là. Le Bolivien a fait ses débuts à seulement 12 ans avec le club Aurora. Eric a donc fait mieux. Mais bon, on ne sait pas combien de temps son record va tenir, hein, parce qu'on connaît un petit gars de 7 ans qui arrive très très fort pour exploser tous les records. Si les débuts d'Eric Godpower Marshall ressemblent à un conte de fées, il y a un côté sombre à cette histoire. Voir un enfant jouer avec des adultes qui ne lui feront pas de cadeaux est aussi très inquiétant. Il n'est pas du tout recommandé pour un joueur si jeune d'évoluer sur un terrain si grand à 11 contre 11. Des internautes l'ont d'ailleurs signalé au club libérien sur les réseaux sociaux. Vous devriez considérer les dimensions. Un petit de 11 ans doit jouer au maximum des 7 contre 7 et travailler sur des plus grandes difficultés plus tard. Jouer des 11 contre 11 avec des adultes, ce n'est pas le mieux à mon avis. Et surtout, Eric est mis en danger physiquement. Quand il dit qu'il se sent comme un David affrontant des Goliath, c'est une réalité physiologique. Il est beaucoup trop frêle pour évoluer avec des joueurs de cet âge qui ne retiendront pas leur coup. Si Eric Godpower est heureux au football club Garou, qui tient là une vraie pépite, il faudra que son club fasse attention et trouve la structure adaptée pour son prodige de 11 ans. Ainsi, le football club Garou pourra faire en sorte que le diamant soit poli et non pas brisé. Mais pour le moment, le plus jeune footballeur senior de l'histoire ne pense qu'à s'amuser balle au pied. J'aime que tout le monde parle de moi, j'aimerais rencontrer tout le monde, mais je veux seulement jouer au football. On souhaite de tout cœur à Eric Godpower Marshall et à son club qu'il soit protégé, puis qu'il parvienne à exploser au plus haut niveau en passant par un centre de formation. Parce qu'il doit grandir progressivement et jouer avec des jeunes de son âge avant d'avoir une chance de s'épanouir au plus haut niveau. Chez Oh My Goal, on suivra avec attention les progrès de cette pépite. Et s'il est bien encadré, qui sait, en plus de concurrencer à Rat, ou Cristianinho au titre de talent le plus prometteur du monde, Eric Godpower pourra peut-être suivre les traces de George Weah, star du Liberia et seul joueur africain à avoir remporté le Ballon d'Or en 1995.